Au lendemain des élections de mi-mandat, les Américains semblent surpris par l'ampleur de la victoire des Républicains. Certains craignent que les conservateurs ne bloquent toute éventuelle initiative du président Obama, ce qui n'est pas dans leur intérêt, selon l'ancien sénateur républicain Trent Lott. Ils doivent travailler avec lui et Barack Obama devra lui aussi faire des compromis. Il n'a jamais été doué pour ça, surtout ces deux dernières années. Il a arrêté de communiquer avec les républicains, mais aussi avec les démocrates. Le message est que Washington est dysfonctionnel et cela doit changer, ajoute le démocrate Tom Daschle. Il faut trouver le moyen de mieux gouverner. Les Américains sont frustrés, ils veulent des résultats. Barack Obama se dit prêt à gouverner avec le Congrès, mais il n'exclut pas d'avoir recours à d'éventuels décrets unilatéraux pour passer en force. Les explications de notre correspondant à Washington. Au lendemain de la déculottée des démocrates, les États-Unis restent divisés. La classe politique est très impopulaire, y compris les républicains. Les deux camps doivent réapprendre à faire des compromis, faute de quoi le pays deviendrait ingouvernable. Truly ungovernable. Stefan Grobe, Euronews, Washington.